Bonjour. Bonjour. Oui, donc nous allons commencer la présentation de licence de langues étrangères à Bordeaux-Montaigne en deux filières différentes. Donc, on va vous présenter d'abord l'équipe enseignante et une étudiante qui est venue participer à cet échange. J'ai ton nom. Je vais commencer par moi. Donc, je suis Ilana Einberg. Je suis maître de conférence. Donc, je suis enseignant-chercheur et j'enseigne surtout les matières liées au Brésil. Je suis spécialiste de la littérature du 19e au 21e siècle. Je travaille aussi sur la culture de manière plus générale. Et il m'arrive de faire aussi quelques cours de langue également. Je vais passer la parole à mes collègues dans l'ordre où je les vois. Donc, je vais passer la parole à Elisabeth Blanc. Pardon, je n'avais pas le son, je remets le micro. Je suis Madame Blanc, Elisabeth Blanc, je suis PRCE, donc je suis professeure certifiée et je suis responsable également pédagogique de la licence langue étrangère appliquée, donc LEA, et j'enseigne essentiellement la langue, mais également la culture voilà, de la licence au master de normes portugaises, de normes européennes. Très bien. Ensuite, je vois Sylvia Morim. Alors, bonjour. Donc, Sylvia Morim, je suis maître de conférence, spécialiste du Portugal, plutôt de littérature. Mais j'enseigne la culture, la littérature, la linguistique portugaise. Voilà. Et ensuite, Soraya Lani. Bonjour. Donc, je m'appelle Soraya Lani, je suis maître de conférence, donc enseignant-chercheur en études brésiliennes et aussi l'Afrique lusophone, c'est-à-dire l'Afrique où on parle le portugais hein, comme norme. Je dispense des cours comme culture aussi, culture des pays de langue portugaise en Afrique et Brésil, des cours de traduction et des cours de langue également en master. Voilà. Très bien. Je passe la parole aussi à Elsa, qui est une étudiante chez nous et qui connaît bien le département du point de vue des étudiants. Bonjour. Alors, moi, c'est Ferreira Pinal Elsa. Je suis étudiante maintenant en licence 3. Je fais LLCR espagnol, mais je suis dans un parcours portugais, donc on a vraiment les deux langues et c'est vraiment très intéressant. Je vais d'abord laisser les enseignantes vous parler du fait d'avoir plusieurs langues, ce que vous allez voir au fil des années avec cette licence. Et après, je vous parlerai peut-être, si vous avez des questions, de commencer d'étudier deux langues pendant toutes ces années, si vous avez des craintes ou voilà, je serais ravie d'y répondre. Très bien, merci. Donc, justement, comme Elsa disait, je vais juste vous demander de couper les sons parce que sinon l'enregistrement après, il n'est pas très bon. Oui, donc, comme Elsa disait, elle est dans une licence d'espagnol et portugais qui est en lien justement avec la première licence qu'on va vous présenter parce qu'en fait, la licence que fait Elsa, en fait, elle se transforme à partir de l'année prochaine, elle s'enrichit plutôt. Parce qu'on passe d'une licence avec un parcours portugais à une vraie licence trilingue, donc avec, comme dans le cas d'Elsa, l'espagnol. Et nous allons proposer aussi l'anglais et d'autres choix de langue que l'espagnol. Et je vais vous expliquer, je vais partager l'écran avec vous pour que vous ayez quelque chose de plus clair. Donc, je vais d'abord vous présenter la licence LLCER portugais trilingue et par la suite la licence LEA anglais-portugais, donc LEA langues étrangères appliquées.
Donc, la licence portugais trilingue est une licence LLCR à la carte, c'est-à-dire que vous allez faire du portugais et de l'anglais, mais vous allez choisir votre deuxième langue. Je vais vous expliquer par la suite quel choix vous avez et comment choisir. Et donc, vous allez maîtriser trois langues à la fin de cette licence. Donc, c'est vraiment une licence plurilinguistique qui n'est pas une licence classique monolangue. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut, comprendre bien le sens de LLCR, qui veut dire langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Donc, dans cette licence trilingue, c'est plutôt plusieurs langues étrangères, pas régionales. Donc, vous avez donc, la langue qui va être vraiment un apprentissage approfondi. Donc, pas seulement l'approche communicationnelle que vous avez pendant l'enseignement secondaire, mais vous allez vraiment travailler toutes les compétences de la langue, compréhension orale, écrite, expression orale et écrite, la grammaire, la communication aussi, la linguistique. Donc, vous allez finalement maîtriser la langue, vous allez consulter les documents en langue originale et vous allez maîtriser tous les registres de la langue, aussi bien le registre littéraire très classique que le registre plutôt familier. Et cet enseignement de langue, il est adossé en fait dans l'enseignement de civilisation. Donc vous avez les sciences humaines liées à l'aire géographique de la langue que vous allez étudier, donc histoire, géographie, sociologie, mais aussi la culture, donc la littérature, les arts visuels, les théâtres, les arts plastiques. Donc c'est à travers les sciences humaines et la culture, la littérature surtout, que vous allez maîtriser cette langue. Donc, tout d'abord, on vous propose tout un ensemble de cours de portugais dans cette licence qui est déjà en soi une langue qui va vous offrir plusieurs cultures. Donc, j'ai mis ici monde lusophone, c'est-à-dire le monde des pays où on parle la langue portugaise officiellement. Donc, vous avez plusieurs pays, dont donc au-delà du Portugal, du Brésil, vous avez aussi les pays d'Afrique et d'Asie lusophone. Ah, je fais rentrer quelqu'un qui était parti. Vous avez aussi accès à toutes ces cultures. Donc, vous avez une langue et plusieurs cultures. Donc, pour commencer une approche du monde lusophone, nous proposons aux étudiants un panorama culturel de chaque pays de langue portugaise. C'est un parcours chronologique qui permet d'avoir une vision d'ensemble de ces pays, mais aussi comparative. Donc, vous allez bien évidemment travailler sur les œuvres artistiques incontournables, les grands classiques du Brésil, du Portugal et de l'Afrique et de l'Asie lusophone. Vous allez aussi travailler la langue dans un cours spécifique avec une approche vraiment communicationnelle qui va vous permettre très rapidement de communiquer, de vous exprimer, de comprendre l'écrit, mais aussi d'écrire. Et parallèlement, vous avez des cours beaucoup plus approfondis, détaillés, de grammaire, de traduction dans les deux sens, d'expression orale et écrite, de linguistique. Donc, vous pouvez aussi bénéficier, si vous souhaitez apprendre le portugais et que vous n'avez jamais fait du portugais, vous pouvez faire cette licence parce que nous proposons une remise à niveau de 2 heures en plus par semaine où vous allez vraiment commencer par les bases et ça va permettre par la suite de suivre à un niveau
avancer et d'arriver à un très bon niveau en fin de licence. Et en troisième année, nous estimons en fait que c'est important d'offrir une approche de la culture contemporaine plus détaillée. Donc, c'est vrai qu'on voit les œuvres classiques, mais à la troisième année, on se concentre beaucoup sur le monde contemporain parce que nous estimons qu'il est très important justement de bien maîtriser les cultures contemporaines. Donc, il y a bien évidemment l'aspect trilingue. Je pense que c'est ça qui rend cette licence aussi très attirante. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas une licence monolingue. C'est une licence où vous apprendrez plusieurs langues au même niveau, deux langues au même niveau, et l'anglais avec 2 heures par semaine de pratique d'anglais en cours dédié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, des cours dédiés d'anglais? Ce sont des cours où vous n'êtes pas mélangé à d'autres étudiants. Donc, vous êtes vraiment dans le cours du groupe de la licence portugais trilingue. Donc, ce sont des groupes petits où l'enseignant peut adapter justement à différents niveaux d'anglais. Donc, vous avez une deuxième langue au choix qui aurait le même niveau d'heures, le même... ça sera à égalité, disons, avec les Portugais. Et c'est pour ça que nous disons que c'est une licence à la carte, parce que vous avez les choix entre plusieurs langues. Je vais vous montrer. Donc avant de vous montrer, c'est ça qui nous permet de dire que vous avez les choix, que c'est une licence à la carte. Donc, quelles sont les langues au choix pour cette licence? Donc, pour le portugais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau de portugais. Donc, nous acceptons ce qu'on appelle à l'université les grands débutants. Donc, vous pouvez commencer le portugais à l'université. Ensuite, vous pouvez choisir l'espagnol. Donc, pour l'espagnol, vous devez avoir un certain niveau. Normalement, ceux qui vont choisir cette licence trilingue portugais-espagnol-anglais ont déjà pris des cours d'espagnol au lycée. Donc, vous ne pouvez pas être grand débutant, mais normalement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est le même niveau que pour entrer dans une licence d'espagnol, c'est-à-dire avoir déjà fait de l'espagnol pendant l'enseignement secondaire. Ensuite, vous pouvez choisir l'italien, donc espagnol ou italien, donc ou arabe après. Pour l'italien et l'arabe, vous pouvez être au niveau grand débutant, donc vous pouvez aussi commencer, d'accord? Donc dans ces trois langues-là, en fonction de votre choix, vous choisissez et vous aurez le même nombre d'heures pour l'enseignement de langue et culture portugaise, donc langue portugaise, et à peu près la même chose pour la deuxième langue, espagnol ou italien ou arabe, et pour tout le monde, 2 heures d'anglais. Donc pour le portugais, l'autre langue choisie, en fait, ça va être... comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour le portugais, vous aurez des cours de grammaire, d'expression orale et écrite, de traduction vers le français et depuis le français, vers les langues que vous avez choisies, et aussi des cours de culture, de littérature, d'art, d'histoire. Donc, vous deviendrez un spécialiste des deux langues et cultures choisies. Alors, si vous êtes grand débutant en italien ou en arabe, vous allez pouvoir bénéficier de 2 heures en plus, comme pour les portugais. Donc, c'est ce qu'on appelle le parcours adapté en première année, qui offre justement une remise à niveau.
Donc, disons que si vous n'avez jamais fait du portugais et que vous n'avez jamais fait de l'arabe, par exemple, vous allez pouvoir bénéficier de 2 heures en plus de portugais et de 2 heures en plus d'arabe parce que vous êtes des grands débutants. Et c'est tout à fait faisable et ça vous permet donc de progresser beaucoup plus vite et d'arriver en deuxième année déjà avec un très bon niveau pour des langues dans lesquelles vous étiez débutant. Donc, pour quel profil d'étudiant cette licence s'adresse? Donc, c'est une licence qui offre une grande ouverture sur le monde parce qu'elle est très cosmopolite. Et bien évidemment, c'est une licence exigeante parce qu'elle va vous exiger un travail sur deux langues différentes. Donc, normalement, elle s'adresse à quelqu'un qui aime les langues étrangères et qui a une aptitude pour les langues étrangères. Donc, si vous êtes bon en langue, même si vous n'avez jamais fait ces langues et que vous souhaitez faire des langues un peu atypiques en dehors de l'anglais et de l'espagnol ou joindre justement ces deux langues majeures à d'autres langues, c'est une licence qui justement cherche ce profil-là. Donc, des étudiants qui seront intéressés par les cultures étrangères, qui veulent travailler sur ces cultures en langue originale. Donc, vous allez être capable de lire les grands classiques en langue originale, les films, les arts, donc de vraiment être spécialiste de ces langues. Et en plus, nous pensons cette licence comme une licence adressée à des étudiants qui souhaitent partir en mobilité internationale pour apprendre la langue en immersion, parce que nous proposons des échanges universitaires, des mobilités, Erasmus ou autres, dans les pays que vous étudiez. Donc, vous pouvez partir pour la partie lusophone, pour la partie de la langue portugaise, au Portugal, au Brésil. Mais si vous préférez partir en Espagne, parce que vous faites aussi l'espagnol, vous pouvez aussi partir en Amérique latine et en Espagne. Et nous conseillons fortement cette mobilité parce que ça vous permet vraiment de pratiquer la langue en immersion et bien évidemment, c'est la meilleure chose pour apprendre et pratiquer une langue. Donc, cette licence, elle a plusieurs débouchés en master. Donc, vous avez à l'Université Bordeaux-Montaigne un master qui se trouve dans la même dynamique multiculturelle de cette licence, qui est le master études culturelles. Aussi qui s'ouvre à plusieurs aires géoculturelles. On a aussi les masters Les Andalous, qui est plutôt un master qui s'adresse à des étudiants qui auraient choisi l'arabe, le portugais, l'arabe et l'anglais, parce que c'est un master qui se concentre sur le Moyen-Âge et sur l'Espagne, le Portugal. Et la période des Andalous dans cette région au Moyen-Âge. Donc, on a aussi le master études hispaniques hispano-américaines qui a aussi un parcours d'études lusophones. Et donc, dans ce master, vous allez, justement, si vous avez fait l'espagnol, vous pouvez aussi vous spécialiser avec ce master. La licence trilingue, elle ouvre aussi sur d'autres masters, des masters plutôt professionnels. Donc, par exemple, le master langues, affaires et interculturalité, qui s'appelle Master LAI, qui est un master de mention LEA. Nous avons aussi les masters commerce international et pays émergents. Donc, c'est un master aussi professionnel.
Et en dehors de Bordeaux-Montaigne, vous pouvez postuler à d'autres masters, par exemple un master spécifique études lusophones ou Amérique latine. Donc, vous avez aussi plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Et on a bien évidemment d'autres débouchés pour ceux qui ne souhaitent pas poursuivre un master ou qui ne souhaitent pas poursuivre un master tout de suite. Donc, c'est un master LLCER, donc il s'adresse à des personnes qui souhaitent travailler dans l'enseignement. Ça ouvre aussi à d'autres concours de la fonction publique que vous pouvez passer dès la fin de la licence. Ça ouvre aussi aux métiers de la culture et de la médiation culturelle, les métiers de l'édition et du livre, les tourismes, bien évidemment, si vous faites trois langues, je pense que vous êtes bien armé pour travailler dans le tourisme international, et la diplomatie et les relations internationales. Donc, c'est assez varié. Et pour s'inscrire, c'est comme pour toutes les licences de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, sur la plateforme Parcoursup, vous tapez Université Bordeaux-Montaigne et donc vous avez la licence portugais trilingue qui s'affiche. Et les choix de langue, il est fait par la suite. Donc, vous choisirez la deuxième langue après. Et je pense que c'était tout. Je vais ouvrir à des questions après, mais je vais d'abord passer la parole à Elisabeth Blanc qui va vous présenter la licence LEA anglais-portugais. Voilà. Merci, merci. Donc, je vais vous présenter donc la licence LEA anglais-portugais, que l'on appelle communément LEA, mais qui signifie donc langues étrangères appliquées. Alors, c'est une formation professionnalisante, c'est une licence et une formation professionnalisante parce qu'elle est, soumise à un stage de fin de cursus, donc en troisième année. C'est une formation donc pluridisciplinaire, donc on va dire sur trois volets à équivalents, en charge donc équivalente, à savoir que vous avez un pôle langue, donc vous avez deux langues de spécialité qui sont l'anglais, qui font partie du tronc commun donc, donc destiné à tous les étudiants qui s'inscrivent en licence LEA, quelle que soit la deuxième langue. Et nous, en ce qui nous concerne, donc la deuxième langue, une langue de spécialité à niveau équivalent qui est le portugais. Mais c'est également, pour l'autre volet, c'est tout un volet d'unités d'enseignement, c'est-à-dire des matières qui sont socio-économiques. Donc, vous avez des matières comme l'économie, par exemple, au premier semestre, puis le droit, la gestion, l'informatique appliquée en deuxième année également. Voilà. Mais c'est aussi le cas, par exemple, vous avez aussi du français, de l'art oratoire notamment, qui a été mis en place il y a relativement peu de temps pour pouvoir faire en sorte que les étudiants soient bien armés lorsqu'ils sont soumis à des entretiens, qu'ils soient pour une entrée en master ou qu'ils soient des entretiens, préparer des entretiens professionnels. C'est une licence qui amène à la spécialisation à la langue des affaires. C'est une langue donc étrangère appliquée. Donc, la langue des affaires qui est ce qui est le cas dans les deux langues, en anglais et en portugais, et qui est effectivement tournée vers le monde de l'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment par son stage. Mais c'est également une formation qui est tournée vers l'international, de par, j'en parlerai un petit peu plus loin sur les diapositives suivantes, puisque la licence LEA demande une spécialisation par un choix de parcours, dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Donc, on ne parle pas de littérature. Merci. On ne parle pas de littérature, on n'étudie pas la littérature dans la licence LEA. C'est la grande différence par rapport à la licence trilingue dont on vient de vous parler. On enseigne la civilisation, l'économie, évidemment, anglophone,
et lusophone. Là aussi, pour ce qui concerne les langues, alors pour le portugais, vous avez les étudiants qui sont grands débutants, donc comme ça vous a été expliqué tout à l'heure, tous ceux qui n'ont jamais, enfin ceux qui souhaitent apprendre le portugais, débuter le portugais le peuvent, puisqu'effectivement, là aussi, nous avons un volet d'heures, donc à raison de 2 heures par semaine pendant 2 ans, donc en L1 et en L2, un volet de 2 heures qui permet aux grands débutants de se mettre au niveau de ceux qui ne seraient pas, c'est-à-dire ceux qui auraient étudié le portugais, par exemple, dans le secondaire, ou qui seraient luso-descendants, comme on dit, ou pas luso-descendants, d'ailleurs, mais qui parleraient portugais de par d'autres expériences personnelles. Donc, c'est une dimension, effectivement, internationale, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que lorsque les étudiants arrivent en troisième année, ils doivent choisir un parcours. Là, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Vous avez donc un choix de parcours qui concerne donc des matières qui sont tournées vers l'international, comme le tourisme international. Alors, je pense que je ne suis pas sur la bonne diapositive. J'ai pris un petit peu d'avance. Ah. Non, c'est moi. Non. Non. Non, bon, peu importe, ce n'est pas très grave. Donc, quand je parlais donc, de la dimension internationale, en troisième année, vous avez un choix de parcours à faire. Et ce choix de parcours… Attends, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas grave. Donc, je ne sais plus à quel… Bon, ce n'est pas très grave. Sur les choix de parcours, vous avez un choix de parcours à faire sur six parcours. Vous avez des parcours tels que les relations internationales, le tourisme international, je pense que c'est tout à fait à la fin, effectivement. Oui, voilà. C'est moi qui ai mis qui n'ai pas mis les choses dans l'ordre. Le commerce international, mais également la communication des organisations, le marketing, des cultures digitales, numériques et des nouveaux médias. Donc, c'est réellement une formation qui vous permet, par les langues que vous étudiez, donc l'anglais et le portugais, qui vous permet donc d'être... réellement très bon en langue dans différents secteurs, mais je reviendrai sur cette diapositive un petit peu plus tard. En ce qui concerne la formation en portugais, donc ce qui nous rend spécifique, je pense que le choix du portugais comme deuxième langue vivante s'avère parmi tout le choix que vous avez à Bordeaux-Montaigne de langue 2. Le choix du portugais est réellement judicieux parce que c'est une langue qui est parlée quand même par quelques 250 millions de locuteurs de par le monde, comme on l'a dit tout à l'heure. On parle de normes. Il y a une norme portugaise, une norme européenne et une norme brésilienne pour la langue. Mais effectivement, le portugais, c'est une langue, mais plusieurs cultures. Donc, je ne vais pas revenir sur ça, effectivement, sur cet aspect-là. Mais le côté lusophone, donc tous les pays qui parlent portugais, comme vous le voyez, par exemple, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine avec le Brésil. Donc, le portugais est une langue qui est présente sur de nombreux continents et dans des pays qui sont amenés à croître et ce qui constitue un marché important pour le monde du travail. Alors, comme on le disait, effectivement, le portugais, c'est une langue, mais plusieurs cultures. L'apprentissage de la langue se fait... dans les deux normes, donc la norme européenne et la norme brésilienne. Alors, vous avez la chance d'avoir des enseignants qui sont des enseignants natifs, à la fois du Brésil et du Portugal. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'ils sont au cœur même de la culture qu'ils véhiculent dans les cours, notamment de culture, de civilisation. Alors, en ce qui concerne la langue, vous avez effectivement une pratique de la langue à la fois écrite et orale, avec des exercices, des activités de traduction dans les deux sens, donc du français vers le portugais et inversement. Une pratique orale et écrite de la langue aussi. Vous avez en deuxième année une pratique du portugais et de l'anglais également en laboratoire, puisque l'Université de Montaigne dispose d'un certain nombre de laboratoires de langue.
et les textes ou les audios, enfin les supports utilisés sont tirés essentiellement de l'actualité, donc de la presse, des médias en général. Voilà, donc les grands débutants, je n'y reviens pas puisque j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce sont donc deux heures, c'est un volet de 2 heures hebdomadaires pendant 2 ans, voilà, qui permet aux étudiants de pouvoir avoir une pratique du portugais relativement proche, enfin même très proche de ceux qui ne sont pas débutants finalement. Alors, de la même façon que pour la licence trilingue, vous avez effectivement donc sur la plateforme Parcoursup, vous pouvez identifier la licence LEA de la façon dont ça vous est présenté. Vous voyez, donc là, vous cherchez Université Bordeaux-Montaigne à Pessac, et là, vous avez donc la proposition de la LEA anglais-portugais. Alors, quant au débouché, la poursuite d'études, la licence LEA va vous amener vers un certain nombre en termes de poursuite d'études, vers des masters comme le master LAI, donc qui signifie langue, affaires et interculturalité, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, donc une mention LEA, mais également le master CIP, commerce international et pays émergents, avec un certain nombre d'aires géoculturelles également, dont font partie le Portugal, le Brésil et l'Afrique lusophone, bien entendu. Mais également, la licence LEA vous donne la possibilité de vous inscrire dans d'autres masters qui sont pluridisciplinaires, dont parlait Madame Heineberg tout à l'heure, donc à savoir le master des études culturelles. Voilà. Et quant à l'insertion professionnelle, alors effectivement, là, on est dans un autre domaine. Le fait que nous soyons dans un monde où les relations sont complètement mondialisées et les marchés également implique effectivement l'émergence d'un nouveau profil de cadres hein, qui sont donc capables de maîtriser plusieurs langues étrangères, de communiquer, de conduire des négociations, de gérer des projets au sein d'entreprises ou d'organisations. Mais dans le respect et la connaissance de l'identité de l'autre. Et c'est là où on se rend compte qu'à la fin de la troisième année, les cours de culture, de civilisation sont très importants parce qu'ils permettent ensuite, surtout lorsqu'on s'oriente ensuite vers des masters, à quel point il est important de comprendre les cultures et les civilisations pour pouvoir ensuite être, si on se destine au commerce, mais tout ne va pas vers le commerce, mais être de bons connaisseurs à la fois de la langue, mais également de la civilisation et de l'interlocuteur étranger qu'on a en face de soi. Et cette spécialisation, même si la force de la licence LEA, ce sont les langues, vous avez effectivement une spécialisation, puisque je disais au tout départ que la licence LEA est une licence qui est vraiment pluridisciplinaire, avec deux blocs qui sont en fait un bloc langue et un bloc matière socio-économique, mais qui en fait représentent trois grands blocs importants, à savoir votre grande connaissance des langues et ensuite la connaissance que vous avez qui est multiple à travers des semestres dédiés, puisque vous avez 6 semestres sur la licence. Lorsque vous pensez en termes de plan d'études, vous avez 6 semestres. Et dans les matières socio-économiques, vous touchez en fait à différents domaines qui peuvent vous être utiles, que vous allez ensuite évidemment développer soit sur le marché du travail, soit ensuite en master en vous spécialisant. Le dernier semestre, qui est celui où vous choisissez donc un parcours, dont je parlais tout à l'heure un peu à l'avance, sont ceux que vous voyez ici annoncés, donc le tourisme international, les relations internationales, le commerce international, la communication des organisations ou des entreprises, le marketing, culture digitale et nouveaux médias. Donc, ces matières-là, ce parcours-là vous permet effectivement de vous spécialiser dans quelque chose qui vous plaît réellement et qui vous amène à former en 3 ans en licence, même si c'est possible déjà avec la licence, mais à former donc des cadres, de futurs cadres spécialisés dans ces domaines-là. Voilà. Et après, de la même façon, la licence LEA vous permet de partir également en mobilité, ce que nous conseillons fortement parce que c'est une façon
d'appliquer et de réellement connaître la culture du pays que vous avez, de la langue que vous avez apprise ou pratiquée. Donc, effectivement, à savoir que nous avons des conventions avec un certain nombre d'universités portugaises, mais brésiliennes également. Et je vais peut-être laisser la parole à Madame Amorim, qui va peut-être vous en parler de façon plus précise, notamment sur les destinations. Oui, vous avez cette possibilité hein, d'effectuer une mobilité au cours de vos études. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est conseillée. Hein, nous vous encourageons à le faire à partir de la deuxième année. Alors, avant, c'était plutôt en troisième année. Maintenant, en LEA, à partir de la deuxième année, il est possible d'aller étudier donc, à l'étranger pendant un semestre ou une année. Donc, les destinations, eh bien, elles sont soit au Brésil, soit au Portugal. Alors, je parle plus précisément du Portugal parce que ce sont les destinations que je gère. Nous avons des accords avec les principales universités du pays, hein, donc l'Université Nouvelle de Lisbonne, l'Université de Coimbra, l'Université de Porto, celle de Braga et celle de Madère. Donc, vous avez vraiment un choix très important de destination. Donc, c'est une très bonne expérience. Et au-delà de ces échanges Erasmus, il y a aussi d'autres possibilités pour vivre une expérience en immersion à l'étranger, et notamment l'assistanat. Hein, donc, c'est le fait d'aller transmettre la culture française dans un pays lusophone, donc soit au Brésil, soit au Portugal. Et là, c'est une expérience professionnelle. C'est un premier pas dans le monde du travail, un premier contact avec l'enseignement, hein, puisque vous êtes face à des publics de collégiens ou de lycéens dans des établissements d'enseignement secondaire. Et donc, c'est une expérience qui est rémunérée, qui est enrichissante. C'est une façon de découvrir aussi le monde de l'enseignement. Et voilà, c'est une expérience qui dure un an. Donc, voilà, pour ces possibilités d'immersion, vous voyez, elles sont nombreuses et elles sont évidemment très, très utiles hein, quand on apprend les langues. J'en profite pour éviter peut-être de reprendre, de revenir sur le sujet par la suite. Nous avons aussi la chance d'accueillir très régulièrement des collègues d'autres universités hein, qui viennent que nous invitons ou qui viennent dans le cadre d'échanges Erasmus enseignants. Hein, et donc, c'est très habituel. Hein, nous recevons quasiment tous les ans, pendant une semaine, des collègues qui viennent de l'étranger, qui assurent des cours comme s'ils étaient dans leurs établissements respectifs, mais ils le font à l'Université Bordeaux-Montaigne devant nos publics étudiants. Oui. Très bien, merci. Merci Sylvia, Elisabeth. Ça concerne les deux licences, aussi bien la LEA que la LLCE, donc cette possibilité de mobilité, l'assistanat. Pour toutes les deux aussi, on a des enseignants natifs qui viennent tous les ans du Brésil et du Portugal. Donc, vous êtes vraiment en contact avec ces deux normes. Donc, si jamais vous ne partez pas à l'étranger, vous avez quand même de la chance de parler à des enseignants natifs avec le bon accent et la, disons, l'actualité de la langue et de la culture. Et donc, c'est vrai que nous avons ce souci aussi des deux normes dans les deux licences. Donc, le portugais, comme on vous a dit, c'est une langue et plusieurs cultures, mais il y a aussi deux normes, une norme européenne, une norme brésilienne et un accord orthographique commun qui permet vraiment, si vous utilisez l'une ou l'autre, de très très bien circuler partout dans tous les pays lusophones. Qu'est-ce que je voulais reprendre d'autre pour faire une synthèse finale et pour laisser place peut-être à un échange. Donc, oui, pour reprendre rapidement, donc la LEA mentionne langues étrangères appliquées,
Donc, dans cette licence, vous êtes plutôt tournée vers une pratique professionnelle, vers le monde de l'entreprise. Et vous avez, disons, trois axes qui sont très équilibrés, qui sont parfaitement équilibrés, l'anglais, le portugais et les matières socio-économiques. Et l'autre licence que j'ai présentée au début, la licence portugais trilingue, donc une licence LLCER, donc une licence littéraire, où vous avez le portugais, un choix de deuxième langue qui va être à égalité avec le portugais, soit l'espagnol, soit l'italien, soit l'arabe, en sachant que l'italien et l'arabe et le portugais, vous pouvez être grand débutant. Et pour tout le monde, 2 heures de pratique d'anglais qui va être toujours là du début à la fin de la licence. Voilà, je pense que c'était tout ce qu'on avait à vous dire pour présenter. On peut peut-être... Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Je pense qu'on peut parler aussi des passerelles éventuellement entre les deux licences. Oui. Oui, oui, exactement. Ce n'est pas pour rien qu'on les présente ensemble. Je te laisse dire un mot peut-être sur ça. Oui, comme tu veux. Effectivement, souvent, il y a une hésitation des étudiants qui ne savent pas très bien s'ils doivent... ils savent qu'ils veulent faire du portugais, mais ils ne savent pas s'ils veulent du LEA, de la LCE. Ils ne sont pas très sûrs d'eux. Donc, il y a des garde-fous. Hein, c'est-à-dire que si vous vous engagez dans une licence et qu'au bout de quelques semaines, vous voyez que ce n'est pas tout à fait ce que vous souhaitiez, vous êtes en LEA, mais vous voulez plutôt faire quelque chose de plus littéraire, ou au contraire, vous êtes... en licence trilingue et finalement vous vous dites que la LEA serait plus adaptée à votre projet professionnel, eh bien vous avez une possibilité de vous réorienter en cours de première année et de passer comme cela d'un parcours à l'autre, donc d'une mention LLCE à une mention LEA ou inversement, donc dans le cadre de ces licences. Oui. Oui, oui, c'est très important parce que on essaye de bien faire la différence, mais c'est sûr que une fois qu'on est en train de suivre la licence, on peut s'apercevoir qu'il y a toujours le moyen donc de basculer de l'une à l'autre. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et les poser, mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi utiliser le chat la discussion, donc on peut lire vos questions. Et je pense que ça serait peut-être intéressant d'écouter un peu Elsa et de voir un peu son expérience justement d'une licence non monolangue. Elsa, est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Au tout départ, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui hésitent parce que, en tout cas, de prendre une matière avec le portugais parce qu'ils n'en ont jamais fait. Mais de mon expérience, je ne suis pas. C'est pas la première fois que j'en ai fait quand je suis rentrée, mais j'ai vu d'autres personnes dont c'était la première fois. Et en général, même, c'est eux qui réussissent le mieux, pour être honnête. Ils ont de meilleures notes, ils comprennent un peu mieux, ils ont plus de facilité à intégrer ce qu'on leur apprend. Donc, c'est pas vraiment... Faut enlever cette idée que si vous êtes débutant, vous n'allez pas y arriver, parce que vous pouvez très bien arriver à avoir un niveau excellent. C'est vrai qu'avoir plusieurs langues, ça ouvre pas mal de portes. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde du travail, souvent, on vous en demande au moins 2 aujourd'hui. Donc, c'est vrai que l'anglais, le fait d'avoir de l'anglais, c'est un plus. Cette licence-là n'existait pas, mais je pense que vous l'aurez prise. Après, moi, je suis plus vers le... Je peux plus vous parler du parcours littéraire parce que c'est vrai que je n'ai pas fait LEA, je n'ai pas fait de marketing, de commercial, d'économie. Mais c'est vrai que cette licence avec la civilisation et la littérature, ça permet d'ouvrir de grandes portes dans le sens où on apprend
la civilisation et la littérature, c'est là pas la même chose tout en étant la même chose. C'est-à-dire que on étudie la civilisation telle quelle en termes historiques, mais on apprend d'autres choses dans la littérature. Ils n'expriment pas ça de la même façon, ce qui est très intéressant, autant en espagnol qu'en portugais. Donc, je pense qu'en anglais, je pense que c'est la même chose et que c'est tout aussi intéressant. Mmh. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant que ils réfléchissent, peut-être des questions. Je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose, c'est par rapport. Donc vous faites espagnol et portugais. Et donc, est-ce que ça a été difficile pour vous de gérer les deux langues en sachant qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi des faux amis? Donc, est-ce que c'est compliqué de gérer ça pour vous? Comment vous gérez ça? Alors, au départ, c'était compliqué parce qu'au fur et à mesure, on commence à avoir le même niveau autant en espagnol qu'en portugais. Donc, en fait, c'est arrivé qu'en espagnol, j'écrive en portugais. Mes profs d'espagnol n'étaient pas très contents, il faut être honnête. Mais c'est vrai que ça a été compliqué, mais au fur et à mesure des années et de la manière de travailler, c'est vrai que... On passe du lycée à la fac, et à la fac, c'est moins encadré, donc c'est plus compliqué de s'organiser. Mais au fur et à mesure, on réussit et on a vraiment les profs, même si on pense qu'ils sont plus distants, au final, ils nous accompagnent vraiment dans l'apprentissage et on finit par arriver à faire les deux. Très bien. Il y a quelqu'un qui arrive maintenant. N'hésitez pas à utiliser les chats pour des questions. Elsa, vous avez parlé du travail à l'universitaire qui est très différent du lycée. Donc, qu'est-ce que vous conseillez pour gérer justement cette autonomie en fait qui est importante en fait pour réussir à l'université? Alors moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un de très organisé normalement. J'ai mis du temps à... Il faut trouver sa méthode. C'est quelque chose qui est compliqué parce qu'avant, autant au collège qu'au lycée, on a moins cette idée de méthode puisque les enseignants sont là pour nous guider tout du long. Pour même nos leçons, c'est en prise de notes à la fac, c'est pas forcément comme ça au lycée. Et donc c'est compliqué. Moi après j'ai trouvé ma méthode, il y en a qui sont plus qui arrivent mieux en écoutant, il y en a d'autres ils y arrivent plus en écrivant. Moi personnellement je prends des notes en cours. Moi j'utilise pas beaucoup l'ordinateur. Mais l'ordinateur est tout à fait possible et c'est même très pratique. On peut faire des fiches sur un ordinateur. Mais vraiment, il ne faut pas essayer de prendre tout le cours de l'enseignant. Il faut vraiment essayer de vraiment prendre des notes concises. Ça vous permet d'être plus centré sur ce qu'attend le professeur et de les ressortir plus facilement aussi sans vous égarer pendant l'examen. Mmh. Oui, très bien. Oui, j'ai une question sur les chats. Bonjour, est-il possible d'assister à des cours pour se faire une idée des cours que l'on aura? Oui, c'est possible, tout à fait. Je vous ai mis mon email sur le chat. Il est aussi disponible sur les sites de l'université. C'est possible, n'hésitez pas à me contacter et vous pouvez, assister. À des cours, il y a eu des journées portes ouvertes en novembre, décembre. Donc, mais bien évidemment que vous pouvez toujours passer nous voir et venir voir les cours. Alors, il y a une autre question. Est-il possible d'avoir des cours du soir afin de compléter? Oui, tout à fait, avec le... Donc, afin de compléter une LLCR japonais avec du portugais, oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je mettais dans la description de la licence
portugais trilingue, au moins trois langues, parce qu'en effet, vous pouvez aussi faire d'autres langues avec du portugais ou, si je comprends bien votre question, vous souhaitez plutôt vous inscrire en LLCER japonais, faire du portugais en plus en cours du soir. Donc, c'est possible. Donc, je vais laisser peut-être la parole à ma collègue Elisabeth Blanc qui s'occupe justement des cours du soir. Oui, effectivement, c'est tout à fait possible. L'Université Bordeaux-Montaigne propose un certain nombre de langues en cours du soir. Et à part ceux qui sont spécialistes, par exemple, là, dans notre cas précis du portugais, qui n'ont pas le droit de s'inscrire en cours du soir, forcément, hein, puisqu'ils sont spécialistes en portugais. Mais pour tous les autres, oui, bien sûr, vous pouvez vous inscrire au centre de langue et faire du portugais. Alors, si vous êtes débutant, c'est à raison de 3 heures par semaine, donc c'est 2 fois 1h30. Et les cours sont toujours organisés à partir de 18h. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, à partir de 18h. Donc, en première année, lorsque vous êtes débutant en portugais. Ensuite, du niveau, on va dire, A2 jusqu'au niveau B1, B2. En portugais, on assure des cours d'histoire jusqu'au niveau B2. Là, c'est un seul soir par semaine. Donc, 18h, 20h, du niveau A2 au niveau B2. Et oui, c'est tout à fait possible. Et avec des certifications de langue, donc c'est pas, je pense que c'est important de... Absolument. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes débutant ou pas, mais lorsqu'on est débutant et qu'on veut arriver, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'arriver en troisième année, donc à la fin de la licence, à un niveau qui correspond à un niveau B1, qui est un niveau, on va dire... qu'on appelle le niveau intermédiaire et qui est le niveau qui vous permet de vous inscrire au premier grade d'une certification. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de faire valoir dans votre CV que vous maîtrisez soit un niveau B1, soit un niveau B2, le portugais. Et ça, c'est vrai que voilà, plus vous multipliez les lignes sur un CV et plus c'est intéressant, évidemment. Voilà. Oui, absolument. J'ai d'autres questions. Bonjour, est-il possible, hors de rattrapage de niveau, d'avoir des cours supplémentaires en portugais? Si je comprends bien, votre question, c'est dans le cadre de la licence portugais trilingue, des cours supplémentaires de portugais. Je ne sais pas si c'est très clair pour moi, mais... En fait, alors, comme disait ma collègue, les cours du soir, ils ne sont pas de portugais. Si vous faites la licence portugais trilingue, vous n'avez pas accès aux cours du soir parce que vous aurez, en fait, le même type de cours dans votre licence même. Ça fait partie, justement, du portugais, d'une approche communicationnelle. Donc, vous avez ça dans votre licence. Si vous n'avez jamais fait... Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre le parcours adapté, ces cours de rattrapage de 2 heures de plus par semaine. Ce n'est pas une obligation, mais on vous le conseille fortement parce que c'est ça qui va vous donner des bases très solides pour avancer par la suite. Donc, complétez un peu si jamais je n'ai pas bien répondu à votre question, mais voilà, c'est hors le rattrapage. Comme vous ne pouvez pas faire les cours du soir, on propose ça, disons, c'est ce qu'on va proposer à tous les étudiants de la licence. Donc, ce qui est bien dans ces cours de rattrapage, c'est justement ce que vous allez vous retrouver avec vos camarades qui ont à peu près le même niveau que vous, parce que ceux qui, justement, ont déjà un niveau... Ils ne vont pas être assez courts, donc ça va être vraiment adapté à vos connaissances. Ça va être beaucoup plus adapté et en tout petit groupe. Et on va vraiment, ce sont des cours, on n'a pas un programme préalable pour ce cours. On fait un diagnostic de difficultés de chacun. Il se peut même qu'on travaille un peu le français ou la méthodologie universitaire. Parce que parfois, la difficulté, elle peut être là, la prise de notes, par exemple. Comme ça peut être, si on a un groupe qui est plutôt demandeur de grammaire, ben on va faire la grammaire. Si c'est,
Si on voit une demande pour la phonétique, la prononciation, on va se pencher sur ça. Donc, on a toute une année pour travailler ça. Donc, c'est quelque chose qui, en effet, vous demande de venir 2 heures en plus par semaine, mais en revanche, vous n'avez pas de notes. Ça peut augmenter votre moyenne générale, mais ça ne va jamais vous pénaliser. Donc, du coup, c'est vraiment qui présente, à mon avis, tous les avantages pour les étudiants. Si l'on peut juste assister au cours du soir, faut-il tout de même faire une sorte d'examen afin de montrer les niveaux ou est-ce réservé aux personnes de la licence? Elisabeth, je te... Oui. Alors, pour les cours du soir, effectivement, nous avons un test de positionnement pour déterminer un test de positionnement en portugais pour déterminer votre niveau. Mais enfin, pour déterminer le groupe dans lequel vous allez être inscrit. Nous avons actuellement 2 groupes de débutants dans les 2 normes. C'est-à-dire que si vous êtes débutant complet ou entre 2, c'est-à-dire que vous avez quelques bases, mais que vous avez besoin de reprendre la totalité. À ce moment-là, vous allez passer un test de positionnement qui va vous dire si vous êtes niveau, si vous pouvez vous inscrire au niveau A1, A2, B1 ou B2. Ce test de positionnement, excusez-moi, je reprends votre question. Il n'est pas réservé aux personnes qui font la licence. Si vous souhaitez vous inscrire en licence trilingue ou en licence LEA, les cours de portugais, les cours du soir, vous ne pourrez pas vous inscrire en portugais, d'accord ? Parce que vous serez inscrit dans une licence trilingue, vous avez déjà du portugais, une licence LEA, vous avez déjà du portugais. Si votre but est de faire une autre licence, mais que vous voulez apprendre les cours du soir, vous voulez apprendre le portugais en cours du soir, là, c'est tout à fait possible. Le test de positionnement va vous dire dans quel groupe de niveau vous serez. Donc, il y en a deux en niveau A1 parce que nous étudions les 2 normes. Et ensuite, du niveau A2 au niveau B2, ça dépend un petit peu des enseignants que nous avons, mais vous pouvez apprendre soit continuer sur la norme brésilienne, soit sur la norme européenne. Mais ce n'est pas réservé qu'aux gens de la licence. En cours du soir, nous avons des apprenants de portugais qui sont des gens qui sont à la retraite, qui ont envie d'apprendre le portugais. Nous avons des gens qui sont salariés, qui pour X raisons ont besoin du portugais dans leur métier, voilà. Mais si vous voulez apprendre le portugais voilà, par plaisir personnel, ça ne rentre pas dans votre licence, mais vous le faites en plus. Et nous avons effectivement des prix absolument concurrentiels. Donc, l'université propose un large panel effectivement pour le portugais, pour apprendre les langues. Je voulais peut-être compléter sur les niveaux aussi de langue. Alors, dans la licence, en fait, ceux qui ont déjà une pratique du portugais, ils sait qu'ils n'ont pas, en fait, on ne vous a pas dit, mais aussi bien à la LEA qu'à la LSE, ils seront dispatchés dans des groupes différents pour les cours de langue. Donc, vous ne serez pas tous mélangés. Donc, il y a un test de positionnement qui nous permet, en fait, de faire des groupes, en fait, en fonction de vos connaissances. Et je voulais aussi compléter ce qu'Elisabeth disait par rapport aux certifications de langue. Donc, ce n'est pas parce que vous ne faites pas le cours du soir et que vous faites une licence de portugais que vous ne pouvez pas passer les certifications. Vous pouvez passer, nous vous conseillons de les passer, en fait, même si vous avez une licence de portugais, c'est très, très bien et très bien vu par les entreprises d'avoir un diplôme de langue. Et de toute façon, si vous souhaitez partir en mobilité, vous êtes très encouragés à le faire. Donc c'est une très bonne chose, ça fait vraiment une ligne importante dans les CV. Vous pouvez vous inscrire à l'examen de certification, même si vous ne faites pas les cours du soir. Hein, Elisabeth, Oui, absolument, tu as raison, c'est tout à fait important. Ce n'est pas parce qu'effectivement, l'inscription à la certification est indépendante du suivi du cours du soir.
Si vous avez un très bon niveau en portugais et que vous voulez le faire valoir en passant une certification, la certification, c'est une certification de l'enseignement supérieur qui s'appelle CLES, avec le niveau associé B1, B2, et qui vous permet effectivement, attesté par un organisme donc extérieur au cours, de pouvoir attester de votre niveau de portugais dans les 4 compétences, voire dans les 5 compétences qui sont l'expression écrite et orale, la compréhension écrite et orale et la communication. Donc, c'est effectivement extrêmement important et qui va être de plus en plus demandé, quelles que soient les aires dans le monde du travail. Absolument. Très bien. Une question pour Elsa. Une question pour Elsa maintenant. Elsa, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Oui, donc la question est pour vous. Est-ce que vous avez déjà étudié dans cette université avant? Sinon, avez-vous mis du temps à vous adapter? Quels seraient vos conseils justement pour s'adapter à ces licences et au monde universitaire en général? Oui, j'ai déjà été dans cette université. Ça fait 3 ans que j'y suis maintenant. Donc oui, j'y étais. Est-ce que j'ai mis du temps à m'adapter pour être dans le... C'était un peu étrange et compliqué de retrouver les salles parce que on est dans un endroit immense. Donc pour être honnête, trouver des salles, c'était compliqué. Trouver les amphis, c'était compliqué. Mais en fait, au bout d'un moment, on va... Chaque UFR, donc nous, ce sera dans l'UFR Langue, on a notre bâtiment en fait. Donc, ce sera généralement dans le même bâtiment et à peu près dans les mêmes amphis où vous aurez cours. Donc, à ce moment-là, on arrive facilement à s'adapter. Après, dans le reste, c'est-à-dire dans tout ce qui est administration, tout ce qui est dans les cours, les différents enseignements, il ne faut pas hésiter à aller voir, poser des questions aux enseignants. Ils sont là pour ça. Et il y a des fois où vous n'aurez pas forcément les contacts, vous ne saurez pas vraiment vers qui vous tournez. Eux, ils les auront et ils pourront vous orienter vers ce que vous voulez. Et vraiment, il ne faut pas hésiter parce que beaucoup hésitent et du coup, restent bloqués et ne savent pas quoi faire dans ce nouvel environnement. Donc, je pense que ce serait vraiment le conseil que je vous donne d'aller voir et de ne pas hésiter à poser des questions pour vous aider. Ouais, très bien. Oui, donc j'ai vu que Elisabeth a répondu par le chat à la question sur l'inscription aux certifications de langue. Bonjour, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Solal. Oui, bonjour. Écoutez, merci beaucoup pour la présentation. J'avais juste une question parce que du coup, je suis particulièrement intéressé dans les langues, mais aussi pas mal dans la politique, la géopolitique, etc. Je fais spécialité au lycée, je suis en terminale histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Mm-hmm. Et je voulais savoir du coup, entre la LEA et la L... Je ne sais plus comment c'est la deuxième. LLCE. Oui, la voilà. Licence trilingue. Je voulais savoir laquelle pouvait se rapprocher le plus de cette matière-là pour l'étude des langues et voilà et de s'il y avait quelque chose qui se rapprochait. Alors, en LEA, vous avez une unité d'études en fait pendant les 2 années de licence de géopolitique, où vous avez des enseignants de tous les aires géoculturelles de la LEA qui vont intervenir. Donc, c'est très intéressant, c'est très dense. Et il y a justement des disciplines de géopolitique. Après, je pense que ça dépend un peu de ce que vous souhaitez faire plus tard. Et si vous êtes plutôt littéraire au monde de l'entreprise, parce que c'est vrai qu'on touche aussi à des questions géopolitiques et géoculturelles, du moins en portugais, parce que c'est nous qui intervenons dans ce cours de géopolitique de la LEA, et du coup, nous le faisons aussi en LLCE. Je pense que c'est plutôt à ce que... Est-ce que vous préférez, par exemple, traduire des textes plutôt littéraires ou traduire des textes de presse, par exemple, quand vous étudiez des langues étrangères? Est-ce que vous voyez travailler plus dans l'entreprise ou plutôt
dans, soit dans l'enseignement, dans la recherche, avec le patrimoine. Vous voyez, c'est... Oui, je vois. En fait, je sais que plus tard, je pense qu'il m'intéresserait, c'est la diplomatie. J'ai vu que c'était présenté... dans les débouchés, etc. Oui, c'est dans les débouchés de la LEA, en effet. Vous avez un parcours relations internationales. Oui, voilà, c'est ça. Donc, oui, oui voilà, bah, je voulais savoir par rapport à ça. Merci en tout cas. Avec plaisir. Je ne sais pas si les collègues veulent compléter, mais c'est vrai que c'est difficile. Je dirais que vous avez les deux profils, en fait. Après, c'est vraiment en fonction de comment vous projetez un peu plus tard, en fait. Après, je pense qu'il n'y a pas de porte fermée en fonction de vos choix. C'est, comme on a dit, il y a beaucoup d'imbrication entre les deux. Il y a une autre question. Dans une licence autre que le portugais, comment a-t-on accès au cours du soir? Faut-il s'inscrire sur les sites de l'établissement ou le renseigner sur Parcoursup? Non, pas sur Parcoursup. C'est au moment de l'inscription, hein, Elisabeth, au moment quand on fait l'inscription pédagogique ou administrative. Oui. En fait, l'inscription, les cours du soir sont quelque chose qu'il faut imaginer comme étant complètement autonome de votre licence. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en plus, mais qui ne rentre pas dans le plan de la licence. Donc, en fait, c'est le centre de langue dont j'ai mis tout à l'heure le mail qui, à partir du moment où vous allez donc faire votre inscription sur Parcoursup, le cours du soir n'apparaît absolument pas, mais c'est une option que vous avez lorsque les inscriptions seront ouvertes. Alors, en ce moment, ils sont en train de faire en sorte de pouvoir faire des inscriptions dématérialisées. Donc, actuellement, je ne peux pas vous dire si à partir du mois de juillet, à partir du moment où vous avez la possibilité de vous inscrire, une fois que vous avez toute votre orientation faite par Parcoursup, à partir du moment où la date d'inscription à l'université se fait, les inscriptions au cours du soir peuvent se faire en même temps. Actuellement, jusqu'à présent, l'inscription se faisait sur place. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez venir à l'université et vous vous inscrivez au centre de langue. Vous vous inscrivez au centre de langue et vous choisissez la langue que vous voulez. Pour un certain nombre de langues, l'espagnol, le portugais, il faut faire un test de positionnement, mais le test de positionnement se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin de le faire sur place. Donc l'inscription se fait. Alors, j'imagine qu'elle va se faire en ligne à partir de cette rentrée, mais ce sera indiqué sur le site de l'université, mais rien à voir avec Parcoursup, effectivement. Mais ne ratez pas. En général, c'est le début, c'est au moment des inscriptions, entre le 8 et le 10 juillet, je ne sais pas trop quel est le calendrier cette année. Voilà, rapprochez-vous du centre de langue. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez m'écrire sans difficulté. Et à ce moment-là, je vous orienterai, je vous guiderai. Mais il n'y a pas de... Non, c'est... toutes les informations seront sur le site. Bon, est-ce que y a d'autres questions? Bon, écoutez, si jamais vous avez des questions, donc on reste toujours disponible par email. Donc, on a mis nos adresses respectives. Vous les trouvez aussi sur le site de l'université. Il y a un petit descriptif des licences et il y a les emails des responsables. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions qui apparaissent pendant le week-end, on est tout à fait disponible. Bon, je vais remercier à toutes mes collègues et à Elsa aussi d'avoir participé à la réunion. Excusez-moi, pardon. Oui. J'avais juste une dernière petite question. Allez-y. C'était pour savoir parce que du coup, je parle portugais, mais du Brésil. Oui. Je voulais savoir si c'était... mélanger, enfin du coup s'il y avait autant de portugais du Portugal que de portugais du Brésil ou alors c'est on a les deux, c'est très équilibré, donc parmi les enseignantes qui sont là par exemple vous allez voir que c'est équilibré, donc il y a Madame Lani et moi qui venons du Brésil, donc qui utilisons la norme. Okay. Et il y a Madame Amorim et Madame Blanc
qui sont de normes européennes. Donc, vous voyez, c'est vraiment très équilibré. Ensuite, nous avons, comme on vous disait, d'autres enseignants qui ne sont pas titulaires, qui ce sont ce qu'on appelle des lecteurs. Donc, ce sont des jeunes enseignants qui viennent en France pour enseigner leur langue. Et nous avons justement un lecteur brésilien, un lecteur portugais, donc on a un lecteur, une lectrice, et nous avons aussi un lecteur de l'Institut Camões au Portugal, donc qui a ce partenariat avec nous et donc nous avons, oui, un de plus qui est de norme portugaise, mais c'est très équilibré. Vous avez les deux normes. Et disons, pour les étudiants qui n'ont pas encore de normes parce qu'ils n'ont jamais fait du portugais, ils verront au fur et à mesure. Normalement, ils adoptent une norme qui est assez neutre parce que finalement, il y a un accord orthographique et à l'écrit, c'est pareil. Et ensuite, à l'oral, finalement, ils arrivent à quelque chose d'assez neutre. Mais vous, comme vous avez déjà une norme, donc disons que vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'autre, vous gardez votre norme. Bien sûr, on va vous demander de connaître un peu les subtilités, par exemple, pour le vouvoiement, il y a beaucoup de différences entre la façon de s'adresser à l'autre au Brésil et la façon de s'adresser à l'autre au Portugal. Donc ça fait partie des subtilités de la langue et vous les saurez. Mais si vous avez la norme brésilienne, c'est très bien, vous la gardez et vous allez rajouter quelques subtilités pour maîtriser aussi la façon d'agir au Portugal. Mais c'est acquis, on ne va pas chambouler ça, on va dire. C'est très bien. Très bien, merci beaucoup. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? Vous ne voulez pas profiter? Bon, je pense que oui. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci pour vos questions. C'est très intéressant pour nous aussi de connaître un peu les doutes, justement, des lycéens. Donc, je pense que, voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord? Merci beaucoup à tout le monde. Bon week-end. Merci, Elsa. Vous avez été très vaillante de vous lever tôt un samedi. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.